Salut à tous, c'est Esteban le Legoman et on se retrouve dans la vidéo de ma ville. Mais il manque les plaques de route. Alors, je vais commencer par la partie un peu naturelle. Donc c'est la maison là. Voilà. Voilà, donc le bonhomme, il n'a pas la coupe de cheveux là. Normalement, il a un casque. Mais en fait, c'est pour un autre truc que je vous montrerai. Donc elle s'ouvre. Je me dépêche parce que j'ai que 14 minutes 11 d'enregistrement. À l'intérieur, nous avons une carte, une petite fenêtre, une lampe. Ici, nous avons un feu avec un crâne de je sais pas quoi. Une table avec une tasse et là, du bois pour mettre dans le feu. Du feu qui sort de la cheminée. Là, il y a un aigle. Là, il y a la cascade. Avec le petit pont et tout. Donc, voilà. À l'arrière, c'est moi qui ai rajouté l'arbre là. Ici, on a Indiana Jones, mais à ma façon. Voilà. À l'intérieur de la grotte, il y a de l'or. Attendez. Hop. Ici, il y a un cabanon de chasse, donc que j'ai inventé. Un sapin, un pot de fleurs, un chien et un bonhomme. Donc voilà, les fenêtres, c'est la porte s'ouvre. Là aussi, donc je vais enlever le toit pour vous montrer. Là, il y a un plan, un tonneau poubelle, une table avec une carte et tout, et un fusil de chasse. Voilà. C'est la maison des trois saisons parce que je m'étais trompée dans l'écriture. Voilà, donc à l'intérieur il y a le feu. Attendez. Voyez, ça s'allume. Il y a une lettre avec une lampe. Voilà. Ici il y a des bûches. Non, c'est de l'autre côté. Là. Donc j'ai rajouté l'antenne télé. Même s'il n'y a pas de télé, relié à la maison, mais je pourrais pas vous la montrer. Voilà, donc j'ai rajouté, j'ai dû enlever des morceaux et tout pour que ça fasse carré et pas rond. Alors là il y a le mari au barbecue donc qui s'allume avec une cuisse de poulet et une saucisse. La cuisse de poulet je l'ai rajoutée. Donc la maman, vu que j'ai eu deux fois la même maison. Vu que j'ai eu deux fois la même maison, bah, j'en ai construit des différentes et du coup j'ai eu deux mêmes personnages. Et là, attendez. Le petit garçon qui va dans la piscine. Voilà. Donc une maison très très élégante. Donc un micro-jardin avec un lampadaire. Un nid d'oiseau. Ici ça s'ouvre. Donc je vais me dépêcher d'ouvrir le toit. Donc voilà, ils sont leur lit. Là, il y a une lampe de chevet, mais on ne voit pas bien. Voilà, la porte qui s'ouvre. Mince. Je sais pas ce qui est parti. Ah oui, c'est la cheminée. Je vous montrerai l'intérieur dans une autre vidéo. Voilà, donc ici, c'est vous verrez tout à l'heure. Là, il y a un ventilateur. Là, il y a une éolienne. Il y a une méchante sur un toit avec Batman. Voilà, donc attendez, je vais me dépêcher de remettre ça.
que j'en suis déjà à 5 minutes 4. Donc une maison, voilà. Donc la maison que je vous avais présentée dans la partie 2 ou la partie 1 de ma ville, sauf que j'ai rajouté un toit. Voilà. Et il y a une cheminée ici, deux cheminées. Voilà, un pick-up américain. Voilà, ici, la caserne des pompiers que je vous ai présentée. Mais j'ai dû enlever la barre quand le capitaine est monté et tout. J'ai dû l'enlever bah, parce que sinon les plaques de route, elles rentreraient pas. Voilà, et donc j'ai fait une petite amélioration. Enfin, j'ai pas fait une amélioration, j'ai rajouté un camp d'entraînement. Voilà, derrière la caserne. Donc ici, on a le chef. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est... on a des barreaux. Il faut mettre des mains et tout pour avancer et arriver à l'autre bout. Donc là, il y a un pompier qui est là. Et là, il y a une autre fille qui attend. Un cabanon avec des outils. Donc, je vais essayer de l'enlever. Voilà. Avec un toit qui s'ouvre. Fenêtre. Mais j'ai pas mis d'outils à l'intérieur. Voilà, ici, il y a la Batmobile, mais je l'enlèverai. Ah non, oula, excusez-moi. Ici, un stand de journaux. Donc ça, je l'ai eu dans la Mystery Machine que je vous présenterai tout à l'heure. Et ça, c'est un truc que j'ai eu dans un Lego Police. Une lanterne. Donc vous me direz dans les commentaires si vous préférez celui de Arthur le roi du Lego ou le mien. Il y a même une petite horloge ici. Voilà, le vendeur. La nouvelle série minifigure, c'est la série 15. J'ai eu le samouraï. Avec une tête. Attendez. Voilà. Alors, du coup, ce sera peut-être un peu long. Mais quand même, it is the mystery machine. Voilà, donc le pare-brise assez spécial, le mystery machine quoi. Il y a Fred et Samy à l'intérieur. Voilà. Et donc, tac. Et on lève le toit. Donc à l'intérieur, il y a Scooby. Alors, nous avons une cassette, deux ordinateurs, un hamburger avec un lavabo, un appareil photo et une lampe torche, et une gazinière. Donc, je vais remettre Scooby. Hop. Et voilà le toit. Une nouveauté de Lego City, c'est la voiture de rallye. Voilà, lights, avec les feux. Elle était très énervante à construire. J'aime bien les pots d'échappement à l'arrière. L'aileron. Un personnage. Airborne, il est tout blanc et c'est marqué Airborne sur son... sur sa veste. Voilà, c'est un 4x4. Donc j'ai pris le 4x4 et le hors-bord. Donc avec le hors-bord avec une coque orange. Voilà, mais je l'ai piqué. Et j'ai fait un 4x4. Donc la DeLorean que je vous ai déjà présentée. Donc avec Marty que je n'ai pas amélioré. Et Doc. Donc j'ai pas eu... J'ai été dans un Lego store et j'ai trouvé le corps de Doc avec le signe nucléaire là et tout. Et je n'ai pas eu la DeLorean. C'est
qui est dommage. Voilà, un 4x4 de police. Avec une antenne. Un bateau. Avec le moteur. Un policier à l'intérieur. Voilà, je vais être obligé. Ça, c'est une camionnette d'électricien. Mais je vais être obligé d'enlever ça pour vous montrer ce qu'il y a comme bâtiment. Cette vidéo est très longue, je suis déjà à 10 minutes. Ici, c'est un magasin de voitures. Donc, à l'intérieur, il y a une voiture. Là, c'est l'endroit où on rentre et la marque de voiture, c'est Lego. Là, alors, c'est un mini commissariat police que j'ai entièrement inventé. Donc, ici, voilà, c'est un hélicoptère que j'ai inventé aussi. Donc, une hélice. Hop. Le cockpit s'ouvre, mais là, je l'ai cassé. Attendez. Je suis déjà à 11 minutes. Il me reste 3 minutes. Derrière, il y a de la place pour mettre un voleur, mais je n'en ai pas. Là, il y a la lampe torche. Voilà, donc ici, il y a des portes de prison avec deux voleurs. Donc, j'ai accroché ça sur le toit pour accrocher au magasin de voiture. Parce que sinon, on fait juste la taille d'une demi-grande plaque. Voilà. Classe marquée police, les portes qui s'ouvrent avec une baie vitrée. Donc je ne vous montrerai pas l'intérieur là parce qu'il n'est pas fini. Voilà la cellule, elle est stylée. Deux lits superposés pour deux voleurs. Je ne sais pas ce que la caméra m'a fait. Voilà. Oula. Là, avec une éolienne. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez des j'aime, des commentaires. Beaucoup de j'aime parce que c'est ma première ville et tout. Et peut-être qu'elle va continuer là. Mais ce sera dans 2, 3, voire 4 ans. Pour avoir tout plein de boîtes et des trucs. Je peux pas faire beaucoup de choses parce que je n'ai pas beaucoup de portes. Bon, là, j'en suis à 12 minutes, donc je vais vous laisser. Voilà, mettez des j'aime et tout. Allez, ciao, et dans une nouvelle vidéo.